Et hey, voilà, salut la famille, c'est le Nifafana Fou la Fal. Si dis-toi pas quitter ici, tu connais. Un couplet pour mes ennemis, hey. Un couplet pour mes éléments, deux couplets pour mes ennemis. Oh, c'est bon. Je t'aime, je ne vais jamais te laisser. Jamais. Tu m'avais promis un jet, non? Donc c'était pour me jeter. Oui. Comme mon papa. Au début de la relation, c'était. Les... Hey, voilà, salut la famille. C'est le Nifafana Fou la Fal. Si dis-toi pas quitter ici, tu connais. Au début de la relation, c'était. Les... Bon, actuellement, comme on a dit, c'est la nouvelle sortie Fomedi qui fait un tabac. Pas de cigarettes, mais ça fait un gros tabac quand même. Au début de la relation. Après, il faut dire que c'est l'expérience. Il y a l'expérience personnelle et puis il y a l'expérience aussi des vieux au quartier, des amis et tout. Voilà, parce que de nos jours, les relations, bon, ça a toujours été comme ça. Hein, ça commence bien, tout est rose au début. Et puis après, maintenant, quand c'est bizarre, au lieu de dire à ton compagnon que tu veux plus de lui, tu commences à avoir des comportements. Si avant, tu l'embrassais, maintenant, s'il veut te faire bisous, tu as dit non, t'as ta bouche, il faut quitter là. Tu vois, donc. Alors, faut dire, si tu n'aimes plus quelqu'un, il faut dire à la personne, faut éviter de le faire souffrir. Au début de la relation. Il a préparé la séance en un seul jour. On n'avait même pas d'instru, rien. Moi, j'ai appelé Rico, qui a fait la porte. Je lui ai dit, ah, écoute, je fais un son qui va dans cette optique-là. Donc, je n'ai pas encore de refrain. Je viens, on va tout créer. Et l'instru, c'était le début de l'instru. La rythmique, c'était un de ses sons. Parce qu'il chante aussi, Rico King, il chante. Donc, je lui ai dit, bon, ça me plaît, donc on a qu'à créer dessus. On a créé dessus le refrain, les paroles, tout, on a écrit tout sur place. Et pour ceux qui ne le savent pas, bon... Le son date de 2019, octobre 2019. C'est pas nouveau. J'ai fait ça avant de vivre. Voilà, c'était. Attendez juste le moment de le sortir. Au début de la relation. Parce que après, faut te dire qu'une carrière, c'est un cheminement, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'énergie au fait. Tu peux pas faire sortir. Je peux pas faire sortir ce son en début de carrière solo. Voilà, fallait que je fasse d'autres choses d'abord. Fallait qu'il sorte d'autres sons, les buvons, les yeux, les tapés d'abord. Pour pouvoir en arriver là, au fait, c'est l'étape. En tout cas, ça se comporte très, 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 très bien. Ma cible même. J'ai dit, j'ai dépassé la cible, au fait. Je voulais toucher d'abord la Côte d'Ivoire, mais apparemment, le son est en train de faire le tour du monde. Même hier, on m'a envoyé une vidéo d'une danseuse où elle est en Angleterre. Les gens lui demandaient de traduire les paroles du son. En fait, c'est que vraiment, ça fait fort. Si TikTok, on est déjà presque 100 000 vidéos, c'est voilà. Alors, je suis en tête des classements aussi en France. Shazam, Maroc, tout ça, ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Voilà. Et merci à ceux qui donnent la force, merci à ceux qui soutiennent. Au début de la relation. Bien sûr, en effet, parce que ce son-là, c'est qui suit le checkpoint. Quand je dis le checkpoint, c'est le concert du 14 mars. J'étais dans une dynamique de prouver que j'étais capable de faire quelque chose en solo. Et là, maintenant, c'est... On est en train de partir vers la consécration, en fait, on rentre dans la phase active de la carrière, donc il faut le dire. Au début de la relation. Je me compare pas à la peur d'abord, même moi, je me compare aux artistes et je pense que ça va venir. Ici dans les chats là-bas, déjà, donc ça fait vraiment plaisir. Au début de la relation. Non mais ça c'est les situations que tu vis avec une go en fait. Avec ta go, tu vois. Non, le truc c'est est-ce que c'est moi qui fait ou bien c'est est-ce que c'est on m'a fait ça. Est-ce qu'il faut que c'est pas moi donner le goût, mais on sait jamais donc on est dedans quoi. Au début de la relation. Bon après quand tu es un artiste, tu es un businessman, tu fais du marketing, donc tu peux pas venir chanter une chanson qui ne prend pas. Voilà, on travaille pas pour devenir mouton en fait. Voilà, on travaille pour acheter mouton. Donc, forcément, c'est beaucoup d'argent aussi. Donc, il n'est pas venu investir dans un projet. Il sait qu'il n'a pas gagné l'argent. Donc, forcément, il sait que ça va prendre aussi. Qui a chanté?
au début de la relation. Non, après, comme j'ai dit à mes fans déjà, je leur ai dit que moi, je viens pas en tant que rappeur, je viens en tant qu'artiste. Donc, je vais faire beaucoup de choses qui vont les supporter, mais je pense que mes fans, ils sont là depuis longtemps, donc ils savent. Quand ils sont là, ils les taper, après, ils font sortir un buvon, après, ils font sortir Faux Midi, ils savent qu'il y a le potentiel. Je peux frapper à tout moment. Il peut être calme à tout moment, il peut chanter à tout moment, il peut faire reggae à tout le monde, à tout moment. Et quand c'est comme ça, ça tue la monotonie, donc ça les arrange eux-mêmes, voilà. C'est-à-dire ils vont écouter beaucoup d'artistes en eux. Au début de la relation. En aucun cas, j'ai pas de limite en fait. Je n'ai aucune limite. Moi, tout ce qui me passe par la tête, tant que ça fait un hit, je suis partant. Au début de la relation, c'est... Non, j'ai bénéficié d'aucune formation par rapport à la formation d'Andy de la Rue, parce qu'il a appris sur le tas, je suis autodidacte, donc j'apprends, je regarde, j'observe, et puis je récrée en fait. Donc j'ai pas suivi de formation, aucune formation. J'ai juste fait peut-être pendant 6 mois de cours de chant. Mm-hmm. Juste ça, mais j'ai même pas terminé. Au début de la relation. En fait, ils doivent s'attendre à toutes sortes de surprises. Des choses qu'ils n'ont pas encore vues, en fait. Je vais recréer le mouvement. Voilà, je vais recréer le mouvement. On va réécrire l'histoire. Mais il y a trop de gratuits. À la suite de ce single, il y aura encore d'autres singles, mais. Inch'Allah, je pense que je vais faire sortir un EP cette année parce qu'il y a beaucoup de sons. Nous, on n'arrive pas à gérer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons. Depuis 2019, on fait qu'on enregistre. Il y en a assez, donc il faut qu'on libère un peu l'espace. Voilà, donc c'est possible. Au début de la relation, c'était. Top secret encore pour l'instant. Top secret. Au début de la relation. C'était le coucou bébé, je t'aime. Je ne vais jamais te laisser. Tu m'avais promis un jet, non? Donc c'était pour me jeter. Comme mon papa doit te connaître. Ah bon? Ma maman doit te connaître. C'est vrai. Même ma mémé va te connaître. Donc je vais te mettre en pépé. 2 mois après, relation a changé. Même salutation a changé. C'est vrai que c'est pas tout entier, hein. Mais même les chédérés aussi ont changé. Ah là là, moi ici en danger. Et c'est plus ce que je vais faire. On habite ensemble, donc on va passer par 4 chemins. Joe, si tu m'aimes plus faut me dire. Allez suivre le son. C'est en tas. Allez suivre ça fort. On ensemble. Tu m'aimes plus faut me dire. Si tu m'aimes plus faut me dire. Si tu m'aimes plus faut me dire. Si tu m'aimes plus faut me dire.